Wesh, qu'est-ce que ça va, on se Roblox. Et donc, dans cette vidéo, un épisode 7 de la série sur Demon Blade. Lors du dernier épisode, on avait acheté le style de combat électrique. On a aussi fini toutes les quêtes dans le quartier des plaisirs. Donc, ça fait plaisir. Mais sans commencer, quand tu n'hésitez pas à vous abonner, ref. En activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans oublier le petit pouce bleu de mon commentaire si vous voulez un épisode 8. Et donc, nous, sans plus attendre, on est parti. Mais juste avant de jouer, regardez-moi ça. J'ai 19 spins. Bon, même si j'ai un épique, je pense que en 19 spins, on peut avoir mieux. Donc on se retrouve dès que j'aurai soit un épique, soit un légendaire, ou soit le mythique. Oh non les mecs, il me reste qu'un seul spin, et j'ai eu aucun des trois que je voulais. Oh punaise les mecs, tout va jouer sur le dernier spin, attention. Lolo, non. On a perdu l'épique que j'avais. Bon bah c'est pas grave les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ah oui, du coup les mecs, vu qu'on est au jour 7, on peut récupérer un fameux cadeau aléatoire. Donc on va voir ce qu'il contient. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, réclamation. Oh, let's go les mecs, j'ai le Mist Breath, le souffle de la brume. Oui, let's go les mecs. Oh là là, il a l'air tellement incroyable les mecs. Bon bah c'est carré les mecs, on a un souffle légendaire. Bah vous savez quoi les mecs, on va tester le souffle du brouillard dans cet épisode. On va la prendre. Et let's go, c'est bon. On a pris le souffle du brouillard. Wesh. Ah ouais, d'accord. Wesh, la pose qu'on a et tout les mecs. Bon, on a 5 techniques visiblement. Je sais pas du tout s'il est meilleur que le souffle du vent. Bah je compte sur vous pour me dire en compter. Ah oui aussi les mecs, j'ai oublié de vous dire, j'ai réussi à obtenir le pouvoir sanguinaire de Antengu. Bah pareil, on va aussi le tester dans cet épisode. Allez, c'est parti. Boum, prends et voilà. Bon, moi c'est carré, on va pouvoir tester le souffle du brouillard et le pouvoir sanguinaire de Antengu. Wesh, là aussi on a 5 techniques et les deux sont des légendaires, donc c'est carré. Oh ouais, wesh, la big lance que j'ai. Oh, ça a l'air vraiment incroyable les mecs. Bon bah sans plus attendre, on va se rendre sur la prochaine île où on doit aller. Let's go. On va acheter un véhicule parce que ouais, je peux pas encore voler que bah, le souffle de la brume. C'est maîtrise 10, mais bon, vu que je viens de l'avoir, j'ai 0 maîtrise. Et donc du coup c'est parti les mecs, on va se rendre sur la prochaine île qui est la montagne du sanctuaire. Pour ça honnêtement, il y a juste 50 niveaux à prendre sur cette île, donc ça peut le faire. Oh là, mais j'ai tellement hâte de tester le souffle de la brume et le pouvoir sanguinaire de Antengu. Ah ouais, le cadeau aléatoire nous a mis bien. Je sais pas s'il nous donne que des souffles légendaires ou si vraiment aléatoire, genre comme un rare ou un mythique. Et si vraiment aléatoire, bah on a touché le gros lot. Ok, ça y est, nous y est. Wouhou. On va comme d'habitude, c'est le spawn. Alors, on a atterri dans une petite place visiblement. Là, il y a toujours le truc de artisanat. Et là, nous avons les quêtes. Du coup, il y a 3 quêtes sur cette île. Niveau 700, niveau 725 et niveau 750. Allez, c'est parti. Défaite 4 démons. Gorée des chats démons, les mecs. Bah d'ailleurs, ça tombe bien parce que je suis un chat actuellement. Du coup, elles sont les 4 démons, c'est elles? Ah non, c'est eux. Bon bah c'est parti les mecs, on va activer la focalisation et le royaume. Comme ça, on va pouvoir les maxer au maximum. Allez, c'est parti, là, on les attire tous. Et on va tester du coup le souffle de la brume. Ok, du coup, première technique, mer de brume. Wesh, wesh. Wesh, c'est parce quoi les mecs, on est plus rapide. Ça rajoute juste de la vitesse ou... Wesh, wesh, comme on est super rapide. Ah ouais, d'accord, bon bah je crois que c'est juste un boost par contre. Et ensuite, on a scié le suspendu. Qu'est-ce que c'est encore? Oh là, wesh, wesh. Oh, on les a enchaînés, mec. Ok, on va rendre pour les prochaines techniques. Faut être maîtrise 120, 180 et seulement maîtrise 10 pour le vol. Ah ouais, il y a encore du chemin, les mecs. Bon bah c'est parti, on va augmenter les stats dans le souffle, histoire de faire pas mal de dégâts et les tuer plus rapidement. Voilà, c'est elle suspendue. Wesh, wesh. Oh, j'avais pas vu ça à l'instant. Ah mais ça va les mecs, regardez, on est déjà maîtrise 66, 72. Donc ça, on va pas mettre énormément de temps à débloquer toutes ces techniques. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du souffle de la brume. Bon bah vu qu'on a assez de maîtrise pour tester le vol, on va faire ça. Allez, c'est parti, vol de la brume. Ok les mecs, c'est plutôt stylé. Je crois on va moins vite que le souffle du vent. Et bon, c'est pas trop grave. Bon bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est lequel le meilleur entre le souffle du vent et le souffle de la brume. Ok, du coup on a mer de brume qui nous permet d'être plus rapide, ciel suspendu qui nous permet de faire des rafales. Wow, 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 ouais, c'est une plutôt grande portée hein, j'ai l'impression. Ciel suspendu. Oh, ça fait du 283 par 283. Attends, on va la refaire. Ouais, j'avoue, regardez la portée que ça. Oh, mais en plus, regardez les mecs, ça a l'air de les faire reculer quand j'utilise le ciel suspendu. Ok, non, si on la tue, on débloque la troisième technique qui est 8 brumes. Alors, ça aura vraiment 8 brumes, les mecs. Allez, boum, let's go. Troisième technique de débloquer. Et ouais, du coup, faut être niveau 725 pour
la deuxième quête de cette île. Allez, c'est parti. Là, comme d'habitude, on les attire tous. Grand Lion, il est puni, ouais. Je sais pas, il lui arrive quoi. Bah, du coup, mer brune, ciel suspendu. Et là, on a attention, 8 brumes. Wesh, wesh, wesh. Wesh, wesh, les enchaînements que j'ai fait. Ok, attention, 8 brumes. Wesh, wesh, wesh. Wow, mais c'est quoi ces enchaînements fous? Ok, en vrai, pour l'instant, il est plutôt stylé. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, est-ce que vous en commentaire si vous avez déjà eu le souffle de la brume? Et ce que vous en pensez? Voilà, 8 brumes. Watch out, watch out, wesh, wesh. Oh, c'est violent de fou. En plus, bah, pareil, comme le ciel suspendu, ça y recule, mais de très très loin cette fois-ci. Donc, c'est carré. Et du coup, pour la dernière technique du souffle de la brume, c'est maîtrise 180 et c'est obscur, wesh. Comme si vous faisiez pas assez sombre là, comme ça. Bosse pas, allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Boum, boum, boum. Ah, ouais, wesh, on les a tous enchaînés. J'ai directement fini la quête. Ah, ouais, mais même là, regardez, on est invisible. C'est trop stylé, wesh. Guettez la vitesse en plus. Voilà, appelé, boum, boum, boum. Et reboum. Voilà, la vitesse, on t'a dit, poto, ils peuvent rien faire. Oui, brume. Oh là là, mais c'est trop abusé. Ouais, j'aime trop cette technique, les mecs. Ah, oui, mais attendez, les mecs, le truc de rapidité, c'est tellement efficace. Ça permet d'attirer les ennemis plus rapidement. Franchement, je dis pas non. Oh là là, mais c'est trop bien. En plus, on peut le rediriger comme on veut. Bon, c'est dommage que la rapidité, elle est pas également sur le vol, mais uniquement quand on court. Mais bon, en vrai, c'est pas si grave. Et là, boum, 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 regardez. Oh là là, c'est trop stylé. Je valide, je valide. Attendez, là, ça fait du combien? Ça fait du 295 par 295. Et là, 8 brumes, 208 par 208. Oh là là. Ok, ça fait moins de dégâts, mais à mon avis, vu qu'il y a plus de rafales, ça fait plus de dégâts. Ça me paraît assez logique. Ah ouais, en plus, quand on court, on a le petit effet brouillard. Bon, on dirait que je sors de la douche, mais c'est pas grave. Après, bien sûr, vous inquiétez pas, une fois que j'aurai fini avec le souffle de la brume, on va pouvoir tester le pouvoir sanguinaire de Antengu. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir, il me reste vraiment plus beaucoup de maîtrise à avoir pour débloquer sa dernière technique. Ok, là, normalement, si on les tue, on passe maîtrise 180 largement. Allez, boum, venez ici, let's go, c'est bon, on est maîtrise 180. Et là, du coup, on va pouvoir tester Obscur. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe, wesh? Ok, qu'est-ce qui se passe, les mecs? Wesh, y'a moi! Wesh, mais pourquoi, quoi? Wesh, mais y'a un clone de moi! Attendez, on va la refaire. Ok, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs? Regardez-moi ça! Wesh, je l'ai démonté! Ok, oh là là, wow, wow, wow! J'ai fait un enchaînement visiblement. Wow, wow, wow! On a du coup, petit résumé des techniques qu'on a obtenues. Voilà, ciel suspendu, là, boum, 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 des rafales! Et là, on a Obscur. Il se passe quoi si j'attends en même temps? On va attaquer pour voir. Ok, et là. Wow, 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 wow! Bon, bah, ok, c'est plutôt stylé, les mecs. Bon, bah, maintenant qu'on a testé le souffle de la brume, on va pouvoir passer au pouvoir sanguinaire de Antengu. Ouais, je viens de voir, j'ai un trident. Wow, 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 wesh! Wesh, les effets de l'eau bizarre! D'accord, j'ai une technique que je peux utiliser visiblement. Accomplirivant. On va voir c'est quoi. Wesh, wesh! Ok, là, juste je maintiens. Waouh! Ah, ouais, d'accord. Wesh, les effets de fou. Oh, wesh, les effets de fou, malade! Wesh, mais des fois, j'ai des dashs bizarres. Ouh là là, là, ça les compresse visiblement. Oui, ça les expulse et j'ai un effet de Thunders. Ah, mais attendez, les mecs, le vent, c'est le mec en vert là, non? Karasu, un truc comme ça, j'ai oublié leur blaze. Mais oui, c'est les différents types de pouvoirs de clones. Bon, attendez, là, voilà, on l'utilise. Et là, ma lance, elle est électrifiée, donc bah, boum, prenez ça. Ok, déjà, la première technique, en vrai, elle est plutôt stylée. On va utiliser le vol pour récupérer la quête druide transforme. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Hein, quoi? Ok, tout est verrouillé. Si je lâche, il se passe quoi? Waouh! Wesh! Oh, j'ai des ailes! Mais c'est trop stylé, les mecs! Ok, regardez-moi ça! Ah ouais, non, bien soigné, les mecs! Est-ce que je peux attaquer en même temps? Je peux attaquer en même temps, non, c'est trop bien, les mecs! Je valide déjà son pouvoir sanguinaire! Et là, ça veut dire ils peuvent pas me toucher! Et est-ce que je peux attaquer en hauteur? Ah non, je crois que je les touche pas! Ah, si, un petit peu quand même! Et là, je balance ma lance! Ok, ok! Bon, ensuite, du coup, on a la colère tonnerre! Donc, c'est Sekido, je suppose! Allez, c'est parti, colère! Wesh, quoi? Wesh, 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 wesh! Ah ouais, le saut qu'on a fait, les éclairs qu'on balance! Ah ouais, là, ça change, hein, du pouvoir sanguinaire cauchemar que j'ai là, boum! Wesh, wesh! Wesh, ça fait du 1000! Wesh, vous avez vu les dégâts? Ah ouais, d'accord, ça rigole 0! Voilà, là on compresse 100 par 100 et là 500 à la fin. Ah, mais attendez, les mecs, regardez quand je fais ça, voilà, là je refais mon truc. Et là, quand ma lance elle est électrifiée et que je dash, et ben ça leur fait des dégâts. Donc franchement, c'est plutôt stylé. Voilà, et la colère, voilà, boum! Oh là là, 1000! Waouh, waouh, waouh! Ouais, ça fait plusieurs fois du 1150! N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez entre le souffle de la brume ou bah, le pouvoir sanguinaire de Antengu. Là on utilise le vol. Oh là, mais même les ailes elles sont trop stylées et tout. C'est carré, même pas besoin de maintenir là les mecs. Bon, ensuite on a Joy Boy. Ah non, Joyson. Bon, ça doit être le mec qui vole là, qui pousse des cris bizarres. Joyson. Wesh, wesh. Wesh, wesh, c'est quoi ça les mecs? Les effets ils sont incroyables les mecs, c'est abusé. Ok, là on va tout enchaîner. Boum.
boum et reboum. Et la colère, et prenez ça. Et en plus quand je fais ça, bah ma lance elle est encore électrifiée. Attendez mec, là un simple coup ça fait du 510. Et après je vais voir quand c'est électrifié si ça fait plus de dégâts ou non. Et là ça fait combien? Ah ouais, du 1500. Et j'ai même pas eu besoin de technique pour utiliser l'électricité. Oh c'est trop stylé les mecs. Et le pire c'est que je peux utiliser le vol tout en attaquant normal. C'est trop abusé les mecs. Ok Joyson, wesh mais c'est un kamehameha le boss. C'est trop abusé, en plus quand je maintiens longtemps bah ça fait beaucoup plus de dégâts. Et là boum, waouh waouh waouh. Et du coup wesh, cette fois-ci c'est maîtrise de sang pour la dernière technique, la haine dragon de bois. Donc je sais pas si c'est la forme finale des clones, donc Zoakuten. Bah décidément dans cette vidéo on est gâtés les mecs, on a eu un souffle légendaire et un pouvoir sanguinaire légendaire. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je valide déjà. Je sais pas si c'est le meilleur pouvoir sanguinaire légendaire. Ah non, on m'avait dit que c'était le pot qui revenait le plus. Et du coup c'est la dernière fois qu'on fait cette quête avant de passer à la deuxième. Et en plus Radé il est vraiment pas mal pour faire des dégâts de zone. Hop les Radé la portée en vrai c'est une plutôt bonne. En plus il y a encore l'électricité qui continue à attaquer, c'est vraiment abusé. Et là hop là Joyson, on peut maintenir et viser où on veut. Bon bah c'est décidé les mecs, j'améliore à fond le pouvoir sanguinaire. Ah bon bah let's go, c'est bon, on peut directement passer à la deuxième quête. Défaite Peach Bolos démon. Oula, déjà il y a le mot Peach donc ça a pas l'air d'être du gâteau. Bon, bah même tarif que pour les autres. Allez c'est parti, on les attire comme ceci. On a cassé l'arbre en plus, c'est trop incroyable. Voilà un petit éclair, wesh. Vous avez vu comment elle est partie. Ensuite on a collé. Oh là là, mais je pourrais faire longtemps ce showcase, c'est tellement le fruit il est incroyable. Enfin le pouvoir sanguinaire plutôt. Et là watch out. Allez m'en faudrait juste deux pour terminer. Et là boum. Mais let's go, c'est bon. Bon bah du coup faire cette quête jusqu'au niveau 750. Et mais d'ailleurs j'y pense les mecs, on a bientôt fini Demon Blade. Parce que là techniquement ce qui nous reste c'est 7 chill et 7 chill. Et après il y en a plus d'autres. Donc encore 2 épisodes et on est directement niveau max. Et bon après il y en a certains parmi vous dans les commentaires, ils m'ont dit comme quoi il y aurait apparemment une C2 qui serait en cours. Donc franchement j'ai vraiment hâte. Voilà là c'est bon, j'en ai 4. J'ai vu d'utiliser la première technique qui les disperse un peu trop pour éviter qu'ils despawnent. Mais les autres techniques sont amplement suffisantes. Oh là là. Donc on se retrouve dès que j'aurai assez de maîtrise pour pouvoir débloquer la dernière technique. Et pour tous ceux qui me demandent, ouais Abdel comment t'as eu ce pouvoir sanguinaire tout ça, et bah à la fin de l'épisode 6 j'ai voulu spin. Et bah c'est là que j'ai eu le pouvoir sanguinaire. Et dès que j'ai eu je me suis dit oh trop bien, je vais pouvoir le tester en vidéo. Et depuis avant Drake pour cet épisode j'ai tenté de spin un bon souffle et un autre bon pouvoir sanguinaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que j'ai presque plus trop d'argent. Mais en vrai ça va là, on en regagne petit à petit. Bah, attendez que je me rappelle des noms des clones. Il y a Karasu non, Kakuzu, ah non ça c'est dans Naruto. Ah non Karaku peut-être, Karaku c'est celui avec le vent non. Après Sekido je sais c'est lui de la colère. Après bah il y a Aizetsu lui qui est triste là avec sa lance. Et lui avec les ailes qui balance des cris, j'ai oublié son nom. Et puis après bah la forme finale c'est Zoakuten. On va bientôt pouvoir débloquer sa dernière technique d'ailleurs. Ok là on les que ce sont les derniers avant de pouvoir débloquer la dernière technique. Allez venez su, boum 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 et reboum. Et let's go, c'est bon, on est maîtrise de sang. On a du coup débloqué la haine dragon en bois. J'ai vraiment hâte de la tester donc bah c'est quoi faire maintenant. Allez c'est parti. Et la haine dragon de bois. Wesh wesh wesh. Wesh wesh, y'a plusieurs dragons quoi. Wesh wesh, mais wesh pourquoi ils sont verts. Ah ouais mais c'est du poison. Wesh 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 wesh, ils sont devenus verts. Mais c'est quoi ce délire les mecs. Attendez on va absolument la refaire là. C'est quoi ce délire. Ok dragon en bois, on va voir ça. Wahoo. Ok oh là là. Ah ouais mais ça vise directement un ennemi j'ai l'impression. Ouh là là, ok ok. Wesh il s'est fait grave. Ah ouais quand il se fait grave il se fait avoir des dégâts. Ok ok. Bon par contre le vert c'est pas trop ouf. Ok faut vraiment rester au milieu des adversaires j'ai l'impression pour que ça les touche. Ok. Voilà allez venez ici mes dragons, attaquez les ennemis s'il vous plaît. Ça fait du 87 par 87. Wesh et là ça grave sur plusieurs ennemis. Ah ouais c'est une plutôt grande portée en plus. Voilà regardez là les mecs sont à faire c'est que bah d'abord on va les attirer et on va demander au dragon de bois de s'en charger. Allez c'est parti, en plus petite animation de la lance. Voilà et là je continue d'attaquer en même temps. Ah ouais oh là c'est incroyable les mecs, regardez moi ça, ça fait tout le travail. Youhou. Et là les deux ils se font grave en même temps, c'est trop stylé. Voilà. Mais attendez mec, est-ce qu'on peut faire cette technique en volant? Wesh en plus quand j'ai fait les ailes bah, ils se sont fait éjecter. Allez c'est parti dragon. Ah ouais mais c'est incroyable hein. Jusqu'au bout les mecs, radez moi ça. Banzai, wouhou. Franchement il est incroyable, radez. Wesh wesh wesh. Bon bah c'est carré, on a testé toutes les techniques du pouvoir sanguinaire de Antengu. En plus j'ai l'impression le pouvoir sanguinaire il me va assez bien parce que je suis bipolaire. Radez là je suis content, wouhou je suis content.
Et là, je suis énervé. Oh, ça me saoule. Et là, le vent, c'est quoi? C'est la paresse. Ah, bah tranquille, on va éliminer facilement les mecs. Et là, la haine, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc, ouais, hein, ce pouvoir sanguinaire, il me convient assez bien. D'ailleurs, essayez même de dire en commentaire, c'est lequel votre clone préféré. Wesh, ah ouais, waouh, ça fait du moins 600 à chaque fois qu'ils se font grab. Ouais, en vrai, le seul problème, c'est que les dragons, ils sont verts. Et je trouve que c'est pas forcément ouf. Mais bon, tant que ça fait des dégâts, moi, ça me va. Hein, je m'en fous de la couleur. Aïe, 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 regardez les mecs, on est devenus totalement ingérables. Et en plus, là, en même temps, je peux utiliser toutes mes techniques. Franchement, y a rien à dire. Wesh, c'est un carnage total, regardez-moi ça. Mais c'est trop abusé, ils se font attaquer de tous les côtés. Ils peuvent littéralement rien faire. Mais ouais, sinon, désolé, le souffle de la brume. Hein, je rejouerai quand j'aurai un meilleur souffle. Hein, parce que là, actuellement, je préfère largement le pouvoir sanguinaire. Ah bah, ok, les mecs, c'est bon. Finalement, on est passé niveau 750. On va pouvoir du coup passer à la dernière quête de cette île, Defeat Rabbit Démon. Mais c'est quoi ce délire là? Les démons, ils sont des animaux maintenant. Bon, bah, même tarif que pour les autres. Hein. Allez, c'est parti, venez, c'est. Allez. Bon, j'en ai au moins déjà 4. Dragon de bois. Là, on enchaîne tout ce qu'on a. C'est un carnage total, les mecs. C'est vraiment un carnage de chez Carnage. Allez, venez ici. Vous allez mourir. Et boum. Et reboum. Voulou. Bon, bah, même strat que tout à l'heure. Hein. Là, les dragons de bois. Là, on enchaîne avec ça en plus. Des dégâts de zone. En voulez-vous? En voilà. Et là, on les attire. Franchement, ils doivent rien comprendre, les mecs. Ça doit être atroce pour eux. Hop là, la foudre s'abat sur vous, je vous ai dit. Regardez-moi ça et prenez ça. Et voilà, le tour est joué. Et du coup, bah, va falloir faire ça jusqu'au niveau 775. Dragon de bois, plus la petite animation avec le trident, elle est plutôt stylée. Allez, là, et là. Je sais pas ce que j'ai tenté de faire, les mecs, mais bon, ce sont mes émotions qui ressortent. Et bah, finalement, à force de faire les quêtes de assez haut niveau, et bah, j'ai regagné mes sous que j'avais perdu, enfin, en tout cas, que j'avais gaspillé pour tenter d'avoir le Demon Heart. Mais honnêtement, ça en vaut le coup, hein, franchement. Comme ça, au moins, ils comprennent, c'est qui le patron, parce que là, bon, à se déguiser en lapin, c'est ça, les démons. Les démons, ils ont changé, hein. C'est plus des démons, là, c'est des cosplayers. C'est plus Rabbit démon, c'est Rabbit-toi démon, là, c'est quoi ce délire? Regardez, les mecs, ça, pour vous, ça fait peur, ce sont des démons. Des lapins. Un démon, mais c'est quoi ce délire, les mecs? Dans quel monde Louis Vuitton, s'il vous plaît? C'est eux qui sont censés me faire peur, mais c'est des malades. On les extermine tous jusqu'au dernier. Waouh! Mais sinon, en vrai, je pense pour le souffle du vent que j'avais, bah, je le préfère peut-être un petit peu plus que le souffle de la brume que j'ai actuellement. Après, je sais pas, hein, c'est que mon avis personnel. Hein. Oui, mais en vrai, j'imagine sur des vrais joueurs, ça doit être hyper cheaté de se faire grab par des dragons. Genre en plein combat, tu peux littéralement plus bouger. Regardez comme ceci, ça doit être vraiment hyper fort. Regardez, je suis après. Que 1000 sur la stat du démon. Waouh, en plus j'ai pas remarqué les mecs, mais j'ai oublié d'améliorer la focalisation et le rythme. Oh non, mince, bon c'est pas grave, mec. On fera ça dans le prochain épisode si possible. Là j'étais tellement focus sur le pouvoir sanguinaire. Et bah d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on devait faire cette quête et après on pourra passer à la prochaine île. Allez, c'est parti, venez ici, Dragon. Et là prenez ça, petite boule de plasma, Kamehameha. On les attire, là on relâche pour éviter qu'ils s'éjectent de n'importe où. On leur enchaîne avec la foudre. Oh, j'avais déjà tué 4 les mecs, c'est tellement efficace. Et là voilà, c'est bon, ils ont respawn. Donc juste à en prendre 3 et ça devrait faire l'affaire. Voilà, prenez ça. C'est trop puissant. Oh là là, incroyable, incredible et del favor. Et let's go, c'est bon. On peut directement passer à la prochaine île qui est à 7000 mètres de distance. Donc ouais les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a drop et testé le souffle du vent, qui est plutôt stylé en vrai, même si je l'ai moins testé comparé au pouvoir sanguinaire de Antengu. Élément, là, ça y est, je suis dans mon élément, les mecs. Rien à dire, il est trop stylé, il est incroyable pour farm. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ref. En activant la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans oublier le petit pouce bleu, vous regardez si vous voulez un épisode 8. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est les mecs.